Je m'appelle Mariam Bidnani, j'ai grandi à Rabat. J'ai fait mes études à Paris pendant 4 ans, à l'école des arts décoratifs, spécialisée en animation. Et puis après, je suis arrivée à New York et j'ai fait un transfert, une équivalence, à la Cooper Union, qui est une école d'art. Je suis contente de pouvoir faire un métier ou avoir une passion où je peux passer d'un médium à l'autre, d'un sujet à l'autre. Et il y a toujours un côté ludique pour moi qui est très important. Donc le fait de pouvoir faire un dessin, et de faire une vidéo ou faire une sculpture, enfin voilà, c'est ce qui me plaît. Alors là, on est à MoMA PS One, qui est une annexe du MoMA dans le Queens. Et on est dans une galerie au rez-de-chaussée. Et c'est ma première expo dans un musée qui s'appelle Fly, Mouche. Pour moi, c'était super important de penser à la galerie. Et quand j'ai filmé tous ces éléments au Maroc, j'avais la galerie en tête. Et j'avais vraiment envie, en fait, d'utiliser l'espace. Parce que d'habitude, je travaille... Ces derniers temps, je fais surtout de la vidéo. Je suis sur mon ordi. J'ai pas trop de, enfin, je fais pas trop de projets qui impliquent le corps, enfin, et puis avec une dimension un peu plus sculpturelle. Et du coup là, j'avais vraiment envie de faire de la vidéo, mais plus de penser à l'architecture, l'histoire de l'architecture, de penser aussi à tout ce qui est aménagement urbain. Parce que l'idée, c'est que là, on est un peu comme dans un parc de jeux. Et le jeu, c'est le jeu du montage et de la narration. C'est comment, avec l'espace, je peux repenser à... En fait, je peux être plus créative par rapport à ma façon d'approcher le montage, la vidéo et la composition dans les images. Parce que là, en fait, on a une installation avec... 12 écrans différents. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que j'avais pas envie qu'il y ait trop de choses qui se passent à 360 degrés sur tous les murs, parce que du coup, on saurait plus où regarder. J'avais quand même envie qu'il y ait un peu trop de flux d'informations et que le spectateur, quand il arrive, il soit peut-être un peu perdu et qu'il doive en fait trouver son système et un dispositif en fait pour pouvoir regarder et passer 20 minutes. Sans perdre le fil. Il y a deux fauteuils que j'ai dessinés qui font référence à l'amida. L'amida, je pense que c'est octogonal, enfin, en tout cas les fauteuils le sont. L'amida, je ne sais pas combien de faces elle a, mais c'est en fait c'est une espèce d'assise sur laquelle on met la mariée et le marié et on les porte. Et il y a en fait une des scènes principales de la vidéo, c'est un mariage. Là, on a un écran qui n'était pas prévu au début, mais que j'ai réalisé que j'avais vraiment envie qu'il y ait des choses partout dans l'espace. Et cet écran, en fait, on ne remarque pas quand on est assis ici. Mais il y a une scène où l'élément le plus important est en fait uniquement projeté sur cet écran, nulle part ailleurs, et on peut le rater. Et j'aime bien l'idée qu'on ne voit pas tout, il faut revenir parfois pour voir plus de détails. Là on est dans le mariage, et on voit la tente, et on a l'impression qu'il ne se passe rien d'autre. Mais en fait, la chanteuse, elle est là. Je sais pas pourquoi elle me rappelle Maria Carré. Et là, petit à petit, on commence à la voir. Mais si on est assis là, on la voit pas. Là, elle arrive. Là, elle est là. Là, elle est là. Thank you.
Là, on est au Metropolitan, à New York. Et puis, on est dans l'aile des arts islamiques, et plus particulièrement dans le Moroccan Courtyard, donc le patio marocain. Je pense que ça a été fait quand ils ont réouvert cette aile du musée, en 2011, si je ne me trompe pas. En fait, ils ont amené 14 artisans de Fès et qui ont tout fait sur place. Et ce que je trouve impressionnant, c'est qu'on est dans un musée qui a une aile contemporaine et moderne, mais c'est une aile, c'est pas tout le musée, on est plus dans l'histoire de l'art. Mais la majorité de ce patio, en fait, a été faite dans la tradition médiévale. Et donc, ça fonctionne dans ce musée. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui aussi pourrait être fait aujourd'hui au Maroc s'il y a une nouvelle mosquée ou la maison de quelqu'un qui veut un patio traditionnel. Et ce serait fait de la même façon. Et donc, je trouve ça assez intéressant que je pense que dans cette aile des arts islamiques, c'est la seule œuvre qui a été faite aujourd'hui. Ben, on vient de nous dire que les colonnes sont du 15e siècle. Mais à part ça, tout a été fait aujourd'hui. Ça montre à quel point les traditions ont été conservées. Et je trouve ça assez impressionnant. Et c'est vrai que quand même, quand je suis là, le bruit de la fontaine, même si je ne suis pas du tout du genre à être nostalgique, mais je trouve ça assez génial d'être au milieu du Met d'être dans un endroit qui est aussi familier. Et puis c'est très beau là. Et j'aime bien aussi, en fait, ce que je trouve drôle, c'est d'habitude là, c'est un espace ouvert parce que dans les riades, c'est un peu l'espace qui est protégé de la chaleur. Où il y a des étages, et donc c'est comme ça que les maisons à l'origine étaient organisées, dans les médinas. Mais là, il y a un faux plafond, enfin, il y a un faux ciel. Donc ils ont créé un effet de lumière diffuse qui est vraiment dans le respect de la façon dont la lumière atterrit dans le patio, enfin pénètre dans les maisons par le patio, où c'est un espace rafraîchissant, et où il n'y a pas le soleil, on ne se prend pas le soleil. De la même façon que quand on est sur un balcon ou à l'extérieur. Parfois, en fait, quand je suis là longtemps, ce qui me manque, ça va paraître cliché, mais c'est certains paysages. Ça peut être la plage ou être dans enfin c'est le genre de paysage du Maroc. En fait, ici, j'ai l'impression que même quand tu vas dans un parc national ils ont des parcs nationaux magnifiques, même quand tu es dans la nature, tu retrouves un signe qui t'explique un truc, enfin tu n'es jamais vraiment dans la nature. Et parfois ici, ce qui me manque, c'est d'aller dans certains endroits qui sont super beaux au Maroc et où je sais pas, tu as vraiment l'impression que il y a l'air chaud que j'aime bien, qui manque ici. Et donc je pense que c'est plutôt ça, les régions autour de Marrakech ou avant le désert, où tu as la terre rouge, le soleil. Et puis c'est aussi un mode de vie. J'aime bien quand je voyage au Maroc l'esprit des gens. My name is Ryan. I am Miriam's best friend and agent. I met Miriam when she came as a refugee. Is it refugee or immigrant? From Morocco to study at Cooper Union, a prestigious art school in New York City. Miriam is like if Trump was a Pokemon. It's basically that's her personality, how she is. And I'm not talking about an electric Pokemon like a Pikachu, I'm talking more of like a Growlithe. On est
Koreatown avec mon ami Ryan. Bonjour, Morocco. Et Jesse, son neveu. Mon assistant. C'est son assistant. Et j'aime bien New York, il y a plein de quartiers comme celui-ci. Là, c'est quelques rues. C'est pas un quartier. C'est pas assez grand pour être un quartier. Donc voilà, j'aime bien Koreatown. Et j'aime bien la bouffe coréenne. Donc.